acclamons plus fort. Oui, célébrons son nom. Venez, acclamons plus fort. Oui, célébrons son nom. Le pasteur Théophile Adjoumani. Je voudrais dire merci au Seigneur qui renverse la principauté dans nos familles. Il faut dire, cela, ça fait pratiquement 20 ans aujourd'hui que ma maman, elle est institutrice, elle travaille, mais elle n'était pas intégrée à la fonction publique. Et cette année, normalement, au mois de juin, elle devait aller en retraite. Et depuis le début, en fait, du mois, depuis le début de l'année, elle se plaignait parce qu'elle allait en retraite, elle ne devait pas avoir de pension en retraite. Et donc, j'ai commencé à prier et j'ai donné le sujet, même à l'Assemblée, on a prié. Et une semaine avant le renversement des principautés, mon faiseur est venu chez moi et il m'a demandé un sujet qui me tenait à cœur. Et j'ai dit qu'il faut qu'on prie pour le renversement, qu'il prie pour l'intégration de maman. Et il m'a dit, ça fait longtemps qu'on prie pour ça. Et il n'y a pas de solution. Et donc, ça veut dire qu'il y a une principauté qui agit dans sa vie. Donc, quand le renversement des principautés va commencer, il faut prendre ce moment à cœur et crier au Seigneur pour ce sujet-là. Et dimanche, je suis venue et j'ai commencé à crier au Seigneur que la principauté qui agit dans la vie de maman pour empêcher son intégration de venir à l'existence soit renversée. Et quand le pasteur a demandé qu'on dépêche, qu'on crie au Seigneur pour qu'il dépêche son armée pour combattre pour nous, j'ai dit que le Seigneur dépêche comme ça ses anges pour aller arracher le dossier d'intégration de maman afin qu'avant la fin de cette semaine, qu'elle ait son papier d'intégration. Et hier, quand je suis rentrée à la maison, ma petite sœur, elle m'a laissé un message pour me dire qu'effectivement, le papier de maman est sorti hier. Voilà. Et acclamons pour Jésus-Christ. Les claps pour Jésus. Gloire à Dieu. Donc elle me disait comme ça que le papier est sorti et que vraiment personne n'a même suivi le papier, son dossier et puis le dossier abouti. J'ai dit c'est le Seigneur qui agit. Et demain, elle va aller déposer le papier en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de la fonction publique au ministère des Finances. Donc j'aimerais dire merci au Seigneur qui a commencé le travail dans nos familles et qui renverse les principautés dans nos familles. Que toute l'honneur et la gloire lui soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Dibé Bléry Béranger et j'ai fait le disciple le pasteur Kouagane Di. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Et il y a la parole de Dieu qui dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il faut dire que depuis l'âge de 8 ans,
J'ai été possédé par l'esprit de la masturbation et j'ai souffert dans ce péché. Au début, c'était un jeu pour moi, mais arrivé à l'âge de la puberté, 16 ans, 18 ans, vraiment arrivé à un certain moment, j'ai commencé à avoir mal au bas-ventre et donc j'ai détesté la chose. Et à chaque moment, je prenais des décisions d'arrêter, mais je n'y arriverai pas. Quand je suis dans la douche, il y a une voix qui me rend ministère. Fais la chose. Fais. Et quand je finis, alléluia. Il y a une voix qui t'exhorte. There's a voice that advises you. Le diable me parle. Et quand je finis, mon âme en moi est contrite. C'est-à-dire, je suis gêné. Et c'est en 2015, je suis arrivé à San Pedro. Et on m'a prêché l'évangile de la repentance. Frère, depuis le jour où je me suis repenti de mes péchés, ce même jour-là, il a été délivré de la masturbation. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Et quand je suis dans la douche, c'est les cantiques maintenant. Ce n'est plus le gars qui rend ministère. Que le Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Yebdiou Selim Billy. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Lombé. Je vais dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui m'a permis de connaître la CMCI. Il faut dire, c'est depuis 2015, je suis en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile pour moi de rencontrer, de connaître la vérité, de connaître l'amour. J'ai parcouru des églises où j'étais très proche et j'étais engagé, mais j'ai manqué l'amour. Quand j'ai commencé à chuter, les choses n'étaient plus ça. Je pouvais pas, j'ai cherché une épaule où déposer la tête. Quand les choses étaient difficiles, on me l'a refusé. Mais un jour, Dieu a permis que je rencontre la sœur Yédé Colette. Elle est coiffeuse parce qu'on a déménagé, on est pas loin de sa maison. Et puis, elle est passée par ma femme pour nous parler de la CMCI. Et puis, j'étais devenu méfiant. J'étais devenu coriace quand on me parlait de certaines choses. Je prenais des distances. Elle a parlé avec insistance pendant des mois. Un jour, à mon retour, et puis j'ai rencontré ma femme dans son salon, et puis elle m'a invité à m'asseoir. Elle a commencé à me parler encore. Et je voulais dire, elle m'a ramené à connaître cette église. Elle m'a fait lire le livre de Brisement des liens. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, ce n'était pas facile. J'ai reçu des menaces que j'ai déposées. Je ne savais pas que c'était un livre où devait venir la solution à ce problème que je vis. Il faut dire, chez nous, parce que je viens de la région de l'Ouest au Cameroun, ce n'est pas facile pour nous avec ces principautés. Et elles m'ont parlé des principautés tout de suite. J'ai ouvert mon intelligence et puis j'ai compris que voilà le problème, voilà ce dont de quoi je souffre. Parce que mes frères, on est trois garçons, les autres sont en France, on ne s'entend pas. Mais Dieu a permis que pendant ces deux premiers jours que j'ai passés ici, j'ai vu un mur tomber. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et ce que je voulais préciser, je suis issu d'une famille polygamique de 14 femmes. Et je suis le dernier fils. Donc ce n'est pas facile. À l'extrémité de ce mur, j'ai vu une des femmes de mon père qui est décédée au mois de janvier. Et puis elle m'a menacé. Donc tu as fait tomber ce mur. Tu as fait tomber ce mur. Je suis passé. J'ai dit merci. Gloire à Dieu. Avant-hier, pendant que j'intercédais à la maison, j'ai eu une vision où on m'a donné des sacs. Il y avait dans l'église un monsieur qui est venu distribuer des sacs. Et dans les sacs, le sac était comme on a écrit dessus, salut. Et dans le sac, chacun avait ce qu'il demandait, ce qu'il avait demandé à Dieu. Et pendant qu'il distribuait, c'est pris, saisissez. J'ai rendu ce témoignage à la sœur Colette. Elle m'a dit, tu devais dire ça avant que le leader ne demande de venir avec les listes d'exaucement. Donc ça veut dire que Dieu a d'avance exaucé nos demandes. Je lui en suis infiniment reconnaissant. Dieu merci pour toute cette grâce
que tu m'as accordé de découvrir la CMCI. Je peux dire, ça ne fait que 4 jours que je suis là, mais je sais que j'ai déjà la victoire. Jesus Christ. Et Dieu permettra que j'aille plus loin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwadiane Delphine, disciple du pasteur Meunier. Je voudrais partager avec le peuple de Dieu deux visions qu'il m'a données. Hier, pendant que le missionnaire conduisait la prière sur l'envoûtement, et il nous disait de dire « Je bannis l'envoûtement, j'anéantis l'envoûtement » et que nous le répétions de façon instantanée. Vraiment, je vous dis, frère, de façon instantanée, j'ai vu des bouteilles se briser. J'ai vu des gens sortir des tombes. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Alléluia. Des bouteilles se brisaient. Les gens qui étaient enfermés dans des tombes sortaient des tombes. Et ce qui m'a paru extraordinaire, il y avait des gens qui étaient enfermés dans la forêt. Dans la forêt, il n'y avait pas d'issue pour qu'ils sortent de ces forêts. Et du coup, il y a eu une voie tracée, une voie très lumineuse. Il y a eu la lumière. Et ces gens ont commencé à sortir de ces forêts avec leurs valises. Et ils étaient fatigués, fatigués. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Et ils sortaient avec leurs valises de ces forêts. Et une voix me dit, tu vois, toutes ces personnes, elles seraient restées dans cette forêt, misérables, et mourir là, parce que c'est là qu'elles ont été condamnées. Alléluia. Et la voix me dit, soyez sérieux. Nous demande, à moi aussi, d'être sérieux. Nous devons être sérieux à cette croisade. Nous devons être très sérieux. Nous devons écouter toutes les instructions que lui, l'Éternel, donne à son serviteur pour nous. Nous devons les exécuter, nous devons obéir, nous devons croire, ne pas douter un seul instant et nous verrons certainement sa gloire. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Et la deuxième, c'est ce matin où le Seigneur me disait à ma méditation, disait de dire à son peuple, de ne pas être trop concentré, il ne faut pas que nous soyons concentrés sur nous-mêmes. Que cette croisade, elle est spéciale. Elle est spéciale. Il a donné un pouvoir spécial, une autorité spéciale à ton serviteur pour nous conduire et pour bénir son peuple, pour le délivrer. Donc nous devons inviter nos parents, nos amis, ne venons pas seuls. Parce que le Seigneur dit qu'il constate que nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Nous n'invitons pas suffisamment de personnes. Donc nous devons changer de comportement. Et nous devons nous sanctifier pour que nous rentrions effectivement dans nos bénédictions. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur qui est parmi nous. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. La soeur Philomène au bout. Je suis déjà passée ici. Je suis la future disciple du pasteur Traé. Oui. Donc, samedi, j'ai rendu mon témoignage de délivrance, de maladies, de beaucoup de choses dans tous les aspects de ma vie ici. Et après ça, j'ai été conduite dans la salle de rédaction. La prière continuait là-bas. Papa continuait de nous faire prier. Et j'ai participé. Un moment donné, il a dit prier en langue. Et j'ai obéi. Et pendant ce moment, il y a eu une vision. Il a dit d'observer le silence. Et je vois un cercueil juste à ma gauche. Quand j'ai vu le cercueil, il y a une dame qui s'est précipitée et puis elle est venue l'ouvrir. Et dans mon esprit, c'est comme si c'est la dame là qui avait déposé le cercueil là. Donc le Seigneur a mis la frayeur dans son camp. Donc elle est venue ouvrir. Et qu'est-ce que je vois?
dans le cercueil. C'est elle-même qui était en train d'enlever. J'ai vu mon BPC. J'ai vu ma tenue de l'école primaire, quand on portait encore les carreaux là, carrelés là. J'ai vu une robe de mariée. J'ai vu une alliance. J'ai vu ma carte de séjour français. Alléluia. Vraiment, je me suis dit, Jésus s'est levé pour moi. Amen. J'ai vu aussi mon dessous. Et je m'en vais vous raconter rapidement que le dessous que j'ai vu, pendant que j'étais avec ma maman, elle a reçu 9 dessous. Et pendant ce temps, moi, je n'avais rien du tout. J'ai pris un. Elle n'a jamais été d'accord. Elle a voulu que je lui donne, je lui redonne. Je n'ai pas voulu du tout parce que j'étais comme une esclave auprès d'elle. Donc, je méritais qu'elle me donne quand même un parmi. Donc, je ne lui ai pas rendu. Et la robe, quand je partais passer mon entrée en 6e, c'est chez sa sœur que j'ai séjourné. Quand on a fini, que j'ai plié mes bagages, je n'ai plus jamais vu cette robe-là. Alléluia. La carte de séjour, quand j'étais en France, moi j'étais en situation irrégulière parce que c'est le gouvernement qui avait amené mon époux à son temps là-bas de faim. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la photocopie de ma carte de séjour parce que moi, on ne peut rien me faire. Je peux circuler partout. Et je lui ai envoyé à Paris l'original et moi j'avais la photocopie. Quand je suis venu, ça a disparu. Et un moment, mon fils voulait maintenant rentrer en France, celui qui est né là-bas. Je lui demandais, dit, hey, c'est plus cool. Donc vraiment, quand la dame a fini d'enlever tous ses bagages-là, quelqu'un est venu écraser le cercueil. Jésus-Christ. Jesus Christ. Acclamons. Les clap. Acclamons pour Jésus-Christ. Les clap pour Jesus Christ. Et pendant qu'il écrasait le cercueil, un squelette est venu avec rage s'arrêter devant moi. Et le feu est quitté en haut pour l'anéantir. Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. Quand j'ai fini, que je suis venu m'asseoir, je regarde en haut, je vois des écritures qui disent « Le résultat est favorable. Jésus a fait. » Et au même moment, le pasteur prend la parole pour dire que le dimanche, le Seigneur a visité beaucoup de sœurs ici en mariage. Dès qu'il a dit ça, une huile verte est quittée là-haut pour me tomber là-dessus. Je veux vraiment dire merci au Dieu d'Israël, le Dieu qui a combattu pour moi, qui continue de combattre moi. Il a vaincu mes adversaires puissants et mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Et il n'a pas fini ce matin. Ma fille me disait, mais moi, mais dimanche, quand on est parti à l'église, mais tu rayonnais. Je vous assure que je n'ai plus mal quelque part. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Je n'ai plus mal quelque part. Mots de terre, les mots Dieu, les mots de rein, les articulations, tout est parti. Je vais dire merci au Dieu qui est le seul Dieu que moi j'appelle l'invincible à tout combat. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je suis le frère Wanda Dafla Gérard. J'ai pour faiseur de disciples pasteur Aké de Songon. Mais je suis le neveu de l'ancien Toali. Alléluia. Bien-aimé, je suis là, je suis très content. Si je pouvais sauter, je l'ai sauté. Alléluia. Le Seigneur m'a donné le salut. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Bien-aimé, je suis pasteur. Écoute bien, je suis pasteur. 12 ans, j'ai prêché l'évangile. Et j'étais orgueilleux. L'ancien, c'est mon oncle. Depuis tout ce temps-là, il est derrière moi. Alléluia.
Ma mère, elle aussi est la CMCI. Le pasteur me parle, je dis, pasteur, attends, il faut laisser ça. C'est Dieu qui va me convaincre. Quand ma mère vient, je dis, maman, il faut laisser. J'étais orgueilleux parce que j'ai fait une école théologique. Dans cette école théologique, j'ai été enseigné par les éminents hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Pasteur Dirabou, qui était mon parrain, docteur Dirabou. Et Ban René, qui était mon professeur en, comment dirais-je, en leadership. Et Pasteur Kodjo, qui était mon professeur en démonologie. Et comment dirais-je, Bangoré, Dominique, tout cela, ils m'ont enseigné. Alléluia. Donc, je ne savais pas qui pouvait quand même s'arrêter pour dire, viens faire. Non. Et c'est devenu un sujet d'orgueil. Ils m'ont tout enseigné, mais une seule chose, la repentance. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La repentance, je prêchais l'évangile, c'est vrai, les gens me suivaient. Mais pour prêcher, même pour prendre le micro, je dois faire au moins 1 heure, 2 heures de pardon, Seigneur, je sais que j'ai péché, parce que je sais que j'ai péché. Alléluia. Pour que je puisse aller prêcher à cause des âmes qui sont là, Seigneur, fais l'effort, pardon, Seigneur. Alléluia. Il y avait un doute. Et le pasteur Toali était toujours derrière moi. Bien-aimé, si je suis là devant toi, c'est un miracle de Dieu. Dis Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Jesus. Tout a commencé à sombrer un coup. Tout a commencé à sombrer. Ma mère est venue un temps et me dit, toi, tu vas venir à CMCI. Je dis, maman, il faut laisser. Elle m'a donné un livre. Elle dit, c'est le pasteur qui a signé. Il y a son numéro. Prends ça. Si tu as un problème, il faut l'appeler. Pasteur Meunier. Alléluia. Le livre, là, je l'ai pris, je l'ai déposé. Juste quand j'ai donné ça à quelqu'un. Aujourd'hui, je suis là, à la CMCI. Aujourd'hui, je suis là, à la CMCI. Je suis une principauté qui a été renversée, bien-aimé. Ça, je le confirme. Jésus. Alléluia. Et ma vie, 2019, quelque part, je vois maintenant, ma vie a commencé à devenir bizarre. Je n'avais plus l'amour d'aller prier. Et un matin, j'ai dit à mes dirigeants, moi, je n'ai plus envie de parler avec vous. Et vraiment, je ne me sens plus. Parce que Dieu ne me convainc plus. Alléluia. Et quand j'ai déposé, quand je suis allé déposer la lettre, bien-aimé, il y a eu des histoires. Ceux qui me chérissaient, ils m'ont dit que je suis devenu démon. Ils ont commencé à m'envoyer des messages, à perturber ma femme, à l'appeler. Pendant des heures, pendant des trucs pour lui dire voici. J'ai dit à ma femme, Jésus m'a été accusé. J'ai couru, je suis allé voir papa, il dit, mon fils. Alléluia. Une nuit, j'ai dit, bon, je vais prendre un temps, parce que je suis serviteur de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu là, il parle. Seigneur, tu veux que je parte où? J'ai pris un temps de jeûne. Je suis resté à la maison sans aller quelque part. Et c'est dans ce jeûne là, premier songe que je fais, il dit, va voir pasteur Toali. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Je dis, mamie, on dit d'aller voir pasteur Toali. Mais papa Toali, ce n'est pas la peine. Ça là, c'est pas ça, c'est le truc, il faut laisser. C'est CMCI. Alléluia. Je vais continuer encore. Je continue encore, on me dit, la même voix me dit, va à la CMCI, va suivre les pas de ton oncle, va le suivre. Un lundi matin, elle a dit que le mois je suis passé, j'ai couru sous la pluie, j'ai juste parti, j'ai dit papa, le Seigneur m'a parlé, le Sébastien, voici. Il dit mon fils, bonne arrivée. Jésus-Christ. Jesus Christ. Bien-aimé, et ma vie a commencé, quand je rentre en contact avec lui, je suis heureux. Mais quand je suis un peu loin, je suis malheureux. Et quand je partais, je dis à ma femme, monsieur, je sais qu'il y a une bonne voie. Alléluia. Amen.
Un chemin s'est ouvert. Allons-y. Et c'est comme ça que je suis venu. Et il m'a confié à une sœur à Songon. Il a appelé une sœur, la sœur Adeline. Voici mon neveu qui est là-bas. Mais quand la dame est rentrée chez moi à la maison, son simple témoignage, mon âme était déjà heureuse. Alléluia. Mon âme était déjà heureuse. Jésus-Christ. Jesus Christ. C'était le samedi avant cette croisade-là. Et dimanche matin, je dis, je vais aller voir. J'ai pris mon cahier, j'ai pris mon sac, je suis allé dans un lieu d'adoration. Je regarde tout ce qu'on fait, j'ai écrit. Tout ce qu'on fait, j'ai écrit. Vers la fin, je me suis dit, Jésus est ici. Jésus-Christ. Jesus Christ. Le lundi matin, lundi avant, le pasteur Ake, qui est mon faiseur, et il vient chez moi avec la maman, bien-aimée. C'est comme j'avais reçu un billet d'avion. Et puis, il me parle de la croisade, il me parle de la repentance. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, on est à lundi. Comment je vais faire pour ne pas aller en tant que spectateur à cette croisade, mais que je parte en tant que frère? Il me dit, fils, fais ta repentance. Je dis, je vais faire ça. Quand papa toi, m'a dit, j'ai fait. Mais je vais reprendre. Fais ça vrai maintenant. Alléluia. Madame, elle a fait. On a fait. Mais le mardi, où je devais remplir mon cahier, finir mon cahier, je rentre sur la maison, ma fille est couchée. Ça veut dire qu'elle était malade, mais ça n'allait plus. Bien-aimée, je l'ai regardée jusqu'à quand je dis, je vais remplir le cahier là. Je l'ai pris, allons à l'hôpital. Je l'ai déposé, le docteur dit, elle va être hospitalisée. Monsieur, il dit, il n'y a pas de problème. Je l'ai mis dans la salle là-bas, je suis parti remplir mon cahier ailleurs. J'ai rempli mon cahier ailleurs. Et quand j'ai fini de remplir, elle dit, papa, vers 16h17, on dit, allez-y, papa, toute la journée, tu n'étais pas avec moi. J'ai dit, j'étais, tu es en train de faire ton avenir. Je suis en train de chercher ton avenir. Pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, regarde une chose. Ma femme a été conduite à la repentance. Je suis venu. Le plus mari conduit à la repentance. Mercredi matin, début de la croisade. Je dis cette croisade-là. Si on pouvait me nommer, je m'appelle Croisade 2019. Alléluia. Amen. L'homme qui baptisait les gens pendant 12 ans, on me prend, et puis on dit allons au baptême. Bien-aimé, l'orgueil a voulu commencer. Je dis, toi, tu ne peux pas me tenir en enfer. J'ai pris madame et dit, allons-y. Bien-aimé, on a été baptisés. Jesus. Et depuis ce jour-là, le salut est rentré dans ma maison. Je peux prêcher Jésus-Christ. Je peux chanter. Même dans le cas, je dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, je suis rentré dans un baka et puis je regarde ma voisine, elle est musulmane. Elle dit, regarde-moi bien. Je suis sauvé. Bien-aimé, je veux dire merci à Dieu. Jesus. Je veux dire merci à Dieu. Jesus. Merci à Dieu, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Le Seigneur, vraiment, j'ai cherché la délivrance, mais je ne l'ai pas obtenue. Le vendredi que moi je suis arrivée ici, ce vendredi, le Seigneur m'a délivré d'un esprit de mari de nuit. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Jésus-Christ. Depuis l'âge de 4 ans, je suis toujours malade. Mes parents m'ont beaucoup promené. Il n'y a pas eu de solution. Nous sommes rentrés au Céleste. Il n'y a pas eu de solution. Et je leur ai donné tôt, en cherchant le vrai Dieu. Ce même vendredi, au cours de la prière, en moi sort un esprit qui est en feu, qui n'a pas de yeux, qui n'a pas de bouche, ni les oreilles. Il est bizarre à regarder. Mais la voix me dit, regarde-le. Et il me dit, tu me chasses.
où tu veux que j'aille? Je dis, va où tu veux. Tu es vaincu d'ailleurs même. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Jésus délivre. Jesus delivers. Jésus délivre. Jesus delivers. Le samedi, je suis rentrée à la maison, j'ai fait venir les enfants. Au cours de la prière, le Seigneur m'ouvre encore les yeux. Quand ça chauffait, il dit prie, 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 prie dans mes oreilles, prie, prie, prie fort, prie fort. Je priais. Je vois dans la maison où j'habite avec les enfants une vieille femme chétive. Il n'y a même plus de chair sur elle. Ses cheveux sont blancs. Je vais la taper. Quand je la regarde, j'ai pitié d'elle. Elle dit non, plus de pitié. Quand je fais ça, elle est tombée devant la porte. Et je cherchais un fait pour l'achever. Au moment où je retournais, les oiseaux l'ont soulevée. Elle dit merde, tu es vaincu au nom de Jésus. Et puis ça m'est fait passer. Le même jour encore, le Seigneur, le pasteur disait de prier toujours. Et je voyais tous mes parents qui étaient dans des prisons. Je dis, dis donc, depuis combien d'années? Ils étaient chétifs. Miss comme ça. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de ce moment que Dieu a décrété pour moi, ce moment-là est pour moi. Sortez des prisons! Sortez! 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 Acclamons! Arrivé à la maison, cette vieille femme a renversé tout ce qui est dans la maison. La maison était désordonnée, pourtant j'ai rangé la maison. Les enfants disent, aïe, quelqu'un est venu faire palabre ici. Il a dit, Jésus nous a délivrés. Amen. Dimanche matin, je vais à l'église. Je croise une dame, triste, comme j'étais en vent. Il a dit, madame, Jésus est là pour toi. Il y a quoi? Elle dit, mon malade, il dit, il ne va pas mourir. Donne ta vie à Jésus, allons à la prière, il ne va pas mourir. Elle dit, comme je suis seul, il dit, tu n'as rien à faire. C'est dans ça, là, Jésus va t'aider. Allons à la prière, dit, je suis seul, il dit, que le Seigneur vous aide. Et puis, je suis partie. Au cours de la prière, je suis assise, j'étais la première personne, j'étais en train de prier. J'ai prié. Je vois une montre en or qu'on me donne. On m'a mis ça au poignet. Je dis, wow, je n'ai jamais porté d'or. Ah, cette fois-ci, là, c'est bon. Je vois encore, on m'apporte de l'argent dans un sachet, genre comme un sachet de pharmacie. J'ai dit non, je ne suis plus malade. Je n'ai pas besoin de un médicament maintenant. Il dit non, regarde. Et je regarde. Ce sont des billets d'argent. J'ai dit, ah, c'est tellement nouveau. Je n'ai jamais vu beaucoup comme ça. J'ai dit, ok, c'est pour moi. Il dit oui. Et j'ai récupéré. J'ai dit, mais aide-moi à compter. Il a compté. C'était 10 paquets. 1 million, 1 million, 1 million, 10. J'ai dit, oh, 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 ce moment va me bénir. Et il m'a déjà béni. Oh, Jesus. Seigneur. Dans ma famille, jamais, quand tu fais un pas, tu fais 1000 pas derrière. Donc, vraiment, après ça, on m'apporte encore un ventilateur. Et ce ventilateur, ils l'ont posé près de mon pied. Ce ventilateur a commencé à souffler. Il n'est pas branché. Et ce ventilateur s'est levé. Et puis, il parcourait toute la salle en train de souffler tout le monde. Je n'ai jamais vu un ventilateur. Et ce ventilateur est encore en or. Jésus-Christ. Jesus. OK. On me donne encore une clé. Et cette clé-là était tellement vieille, j'ai eu peur de la prendre. Mais je l'ai prise. J'ai dit, mais ça là, OK. On dit, prie. Oui, au cours de la prière, je priais. Ces clés-là sont devenues bien propres comme ça, comme de l'or. Et on me dit, viens. Je suis allée, on m'a montré un coin. On dit, regarde ici. C'est ton coffre-fort. J'ai dit, moi, j'ai coffre-fort. Il dit, oui. OK. J'ai dit, mais tout est vieux. Il dit, prie. C'est dans la prière, par la prière que tu vas obtenir. Et j'ai commencé à prier. Tout a commencé à devenir propre quand j'ai ouvert. Et l'argent qu'on m'a donné, j'ai remis, j'ai fermé, j'ai mis ma clé dans ma poche. Et je suis sortie. Jésus-Christ. Au cours de la prière d'hier, le Seigneur me révèle mon village encore. Il a commencé. J'étais en train de chanter. Et les villageois sortaient. Ils sortaient. Et d'autres disaient, on sait pourquoi tu as souffert. Vraiment, Dieu t'aime. Et ils ont commencé, je ne leur ai rien demandé. Ils ont commencé à mener leurs fétiches. Ils ont commencé à déposer. Commencé à danser avec moi.
Les serpents sortaient de partout. Ils s'en allaient. Ça va s'accomplir. Proclamons. It will happen. Let's clap in the name of Jesus. Jésus Christ. Jesus. J'ai dit au Seigneur d'où venait ce mal. Il dit c'est lorsque tu avais 4 ans. Et je me suis souvenu. J'ai dit oui. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je souffre. Et ce jour-là, j'étais collée à mon père. Il m'aimait tellement. Et c'est là, mon père m'a donné une nourriture. Il me présente la nourriture et le poisson qui était dedans. Le poisson n'était pas le vrai poisson que nous connaissions, mais c'était la viande humaine, la chair humaine du moins. Et le mal qui était toujours ici, c'est là où le Seigneur va me dire maintenant. Il ouvre encore mes yeux. Je vomis des asticots vivants. J'ai dit, où? Je suis morte vivante. Eh, ok. Je vomis, j'ai dit, vomis encore. La chair qui est dedans, là, je ne peux plus. Il dit, fais encore. Il a posé sa main ici. Je vomis la viande. Elle est fraîche comme ça. Oh! Délivré. Proclamons. Jésus-Christ. Jesus. Jésus délivre. Jesus delivers. Jésus guérit. Jesus heals. Jésus sauve. Jesus saves. C'est ça là qui ne me permettait pas de jeûner. Mais lorsque le pasteur Kounyo a dit, mercredi, dans mon cœur, il a dit pour moi, c'est lundi, je commence. Je vais dire à cet esprit-là, cette fois-ci-là, on n'est pas amis. Gloire à Dieu. C'est un privilège de voir les gens que Jésus a guéris. Tu les touches. It's a privilege to see people Jesus has delivered. You touch them. Acclamons pour Jésus Christ. Let us clap for Jesus. Je me nomme Salomon. Il y a pour faire des disciples le frère Kwame Frédéric. Mais j'aimerais que vous prêtiez attention à mon témoignage. Parce que ça n'a pas été facile pour moi. J'ai fait 18 ans de folie, je vous dis bien. Dans la salle, il y a des personnes peut-être qui me connaissent depuis Yopougon. Ce n'est pas de l'amusement. Oui. Tout a commencé dans les années 2000. J'avais décidé de partir en France. Et comme ça, j'ai tout fait, j'ai obtenu le visa. Je devais partir sur les États Schengen. Je devais transiter par Paris et puis aller en Italie. C'est ainsi, quand j'ai eu le visa, c'était le 11 mai 2000. Donc, le 11 mai 2000, deux jours après, je me rends chez ma tante. Puis je suis orphelin de père et de mère pour dire à ma tante que, ah, tiens, je dois partir. Comme tu as des enfants là-bas, je me confie à tes enfants. Bénis-moi. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Les gros deux orteils là, que vous voyez là, de l'homme là, elle dit, il faut t'élever du fauteuil. Étant ignorant, j'étais très jeune. Et elle prend de l'eau. Elle fait des libations sur mes deux orteils et en parlant. Moi, étant ignorant, croyant que c'était pour me bénir. C'est après que j'ai compris que c'était le contraire. Dès que je suis sorti de la maison, en temps normal, j'avais l'argent de mon billet d'avion. C'était un vendredi. C'est-à-dire que j'ai eu le visa un mercredi et le vendredi qui suivait, je partais payer le billet d'avion. Ça faisait 490 000 au plateau dans une agence de voyage. Et c'est ainsi que quand je suis sorti de la maison, mon esprit a changé comme si. Je sais que le premier coup que j'avais fait pour partir payer mon billet, j'avais oublié. Donc j'ai dit, bon, d'accord, je vais d'abord voir des amis, et puis on va boire quelques bières. Voilà, et puis bon, après je vais partir. C'est fini. C'est fini, hein? Depuis ce jour, j'ai commencé à boire, faire le show, comme on le dit dans le monde. Et l'argent du billet d'avion est fini. Je suis rentré dans l'argent de poche. Quand je suis rentré dans l'argent de poche, en temps, c'était 14 jours de visa qu'on m'avait donné. Bien compté. Donc j'ai épuisé 9 jours. Il me restait maintenant 5 jours. Au moment où je me rends compte, il me restait maintenant 4 jours. Donc l'argent est fini, c'est-à-dire que l'argent même est fini. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes appareils, je commence à vendre mes appareils pour souder l'argent, pour aller payer forcément le billet, pour pouvoir partir. Je suis confronté à une situation. Mais je fais tout pour joindre l'argent. Quand je viens ici, c'est-à-dire que les appareils que j'ai payés cher, on me propose des prix dérisoires. Je suis obligé de prendre ça comme ça. Mais l'argent ne suffisait pas, puisqu'il fallait avoir un moyen d'existence quand tu arrives. Je suis resté dans ça. J'ai dit, bon, d'accord, c'est qui a su? Voilà, quelque chose me dit, oh, tu as le visa, ça c'est quoi? Reste tranquille, c'est qui a su? Même si
Tu as bouffé ton an de billets d'avion, forcé les parents sont les bons cotisés, tu as parti. Voilà comment l'esprit me dit, me fait réfléchir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre encore dans l'argent. Au finish, l'argent est fini. Il me reste un jour de séjour sur Paris. Je ne peux plus partir. J'essaie de faire recours à mes parents, oncles, tantes et autres. Quand je touche leur, je n'ai pas l'argent. Je touche leur, ah, si tu as pu avoir visa, c'est que toi, tu peux partir. Ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Ça m'a plongé dans l'alcool. Ça m'était découragé. Je suis allé voir celui qui m'a aidé à avoir le visa. Il m'a dit non, on peut toujours essayer. C'est-à-dire que si tu n'es pas parti, on peut toujours justifier. On va te redonner le visa si tu as l'argent pour payer le billet. Il dit ok. Mais comme j'étais déjà envoûté, je ne prenais pas le voyage au sérieux. C'est-à-dire que je ne considérais plus le voyage. Donc, l'envoûtement m'a mené à être dans une dépression au départ. C'est que je ne maîtrisais plus mes sens. À tel point que j'ai chassé ma femme de la maison. Parce que j'ai dit, c'est elle qui est à la base de mes malheurs. Tout est parti comme ça. Moi-même, j'ai abandonné la maison. Et c'est à Divo. Je suis allé voir un camarade à Divo. C'est à l'hôtel même que j'ai perdu mon passeport, mon album photo, mes vêtements, tout et tout. Je suis revenu sur Abidjan. Celui qui m'a dit avoir le visa, je lui ai expliqué. Il m'a dit, bon, c'est qu'il suis de chercher l'argent, on va voir ce qu'on peut faire. Mais je vous dis que, c'est-à-dire que la semaine qui suivait, je suis reparti la voir. J'ai dit, mais voilà ce qui se passe. Appelle ta fille qui est à Paris pour m'aider. Elle me dit encore que, reste tranquille, je vais appeler ton grand frère, ton cousin va t'aider. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est en train de positionner maintenant. C'est-à-dire que tu allais me vendre au diable. Mais c'est après que j'ai compris ça. On est resté dans ça et j'ai parti de mal en pis, de mal en pis. Un coup, j'ai perdu le contrôle. Là maintenant, c'est-à-dire que j'ai commencé à boire maintenant coutoukou. Tout le monde connaît coutoukou, non? Quelqu'un qui buvait, je ne sais pas, boisson, au moins de 4000 francs. C'est coutoukou, j'ai commencé à boire 50-50. Ça fait très mal, ce que vous dites. J'ai fait 18 ans de folie. Il y a des gens dans la salle qui me connaissent à Yopo. Je ne suis pas en train de m'amuser. Et quand je vais chez un parent, quand il me regarde en haut, en bas, il me dit, toi, il n'y a pas... Ça dit, il y a une manière de me recevoir même là, qui ne me donne même pas le courage même de rester. Puisque, pas fini, je dormais dehors. Je n'avais plus à me laver, mais pour ça, puisque je ne travaillais plus, je n'avais plus l'argent pour comme on appelle là, pour louer une maison. Donc, j'étais devenu comme un clochard. Je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. Plus d'argent. Ma femme aussi l'a chassée, je ne peux plus aller vers elle. C'est difficile. Donc, j'ai commencé à péter les plombs. Je traînais maintenant, je traînais. Et en tout cas, j'ai fouillé, j'ai cherché maintenant une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit, je ne sais pas, me suicider maintenant. Mais il faut dire que le Jésus que nous prions, il est fort, il est formidable. Jésus-Christ sauve. Jésus la sauve. Parce que ce n'était pas Jésus, pour ceux qui me connaissent, qui sont dans la salle à Yopougon, il y a d'autres même que peut-être j'ai approché, qui m'ont vu en fou même. J'ai compris que si je me... C'est-à-dire que étant donné, je dormais dehors, il y a des moments où il fait froid. Quand le froid me tape, le petit coin où on fait un jeu vidéo là, pour avoir un peu de chaleur, je cherche des coins comme ça. Maintenant, quand tu me vois, même toi-même, tu as peur de ta... L'essentiel de ce que je voulais vous dire comme témoignage, c'est-à-dire que ça m'a mis dans une dépression à tel point que j'ai commencé à chercher maintenant Jésus. Parce que souvent, les gens prêchent, mais ce Jésus-là, je vais le chercher. Donc, j'ai commencé à fréquenter des églises. Quand je vais, il y a une manière de me traiter qui fait que ça me décroît, je me bois coup de coup. Je suis resté dans un temps de réfléchir. Je dois dehors, à moitié conscient, à moitié inconscient. Donc, par moments, quand ça me lâche, quand je reviens à moi-même, je dis non, mais tiens, pourquoi on est resté dans ça? Je suis resté dans ça jusqu'à même ma propre grande soeur. On va lui dire que ton petit frère est devenu fou. Ça, c'est après elle m'a dit, maintenant là où je suis devant vous là. C'est après elle m'a dit tout ça là. Et aujourd'hui, là, je vous parle, ce Jésus que j'ai cherché, j'ai tant cherché, j'ai fait dans des camps de prière que je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé. Aujourd'hui, à la CMCI, je marchais, je partais, je ne sais même pas où je partais, et j'entends quelqu'un prier, il dit Jésus, il a tourné, j'ai dit, ce Jésus-là, je veux le voir. Et c'est comme ça, il m'a dit, tu veux connaître ce Jésus? J'ai dit, oui. Je parle précisément du frère Kwame Frédéric. Je priais ce jour-là, je sentais. Je préfère au moins 5 mois sans me laver. Je sais de quoi je parle. Il m'a pris par la main. Il n'a pas eu peur, il m'a pris par la main. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ.
Quelqu'un m'a pris par la main. Bon, moi, je ne sais même pas ce qui s'est passé là. Bon, après, il va peut-être expliquer, je ne sais pas. Il m'a pris par la main. Ce que je sais, il m'a pris par la main. Il m'a dit, tu veux ce Jésus? J'ai dit oui. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il dit, tu veux ce Jésus? J'ai dit oui. Il dit, ok, viens, suis-moi. Et puis, il m'a pris par la main. Il ne m'a pas laissé. Il m'a pris par la main. Je le suivais. On est parti chez lui. Il a sorti un morceau de savon. Là, je me rappelle bien. Il a sorti un morceau de savon. Il a pris deux vêtements, un pantalon jean, une chemise. Acclamons, où est-il? Acclamons Jesus Christ! Où est-il? Où est-il? Where is he? Viens te tenir à côté de lui. Le plus intéressant, c'est que ma grand-sœur, même par moment, on lui disait que non, ton petit frère est devenu fou, son cœur saignait. Elle ne savait pas, elle dit, elle tourne à bien, elle ne sait même pas où me trouver. Elle n'a jamais été à l'église, elle ne connaît même pas où d'église. Mais je vous dis, le jour où j'ai croisé le frère Kwame Frédéric, quand il m'a pris par la main, il a sorti un jean, une chemise, il m'a pris, on est parti dans un baignoire, les latrines publiques, je me suis lavé. D'abord, je me suis lavé à l'eau simple, il dit non, 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 lave-toi avec du savon. Je me suis lavé. Quand j'ai fini de me laver, il m'a dit, habille-toi. Quand j'ai fini de m'habiller, on est sorti. Quand le vent m'a tapé, je lui ai dit, mais attends, tiens, on dirait que je ressemble à un homme maintenant. Là, je ne sens plus d'odeur. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et c'est ainsi, il m'a conduit. Et quelque part, on a causé, on a eu à échanger, à causer. Ben, bref, quoi. Ça, je lui ai dit, il dit, tu vas où ce soir? Je lui ai dit, non, moi, je ne sais pas où je vais. C'est qu'il est sûr, là où la nuit me trouve, moi, je dors là. Il dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, mais c'est possible. Il dit, non, ce n'est pas possible. Il dit, moi, il dit, c'est possible. Oui. C'est comme ça que je réponds, le voilà qui est là. Mais il m'a dit, tu n'as pas de parents. Je lui ai dit, si, j'ai des parents. Il m'a pas commencé, même, elle est dans la salle. Elle est là. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et il m'a dit, il m'a forcé. Il dit, tu es sûr que tu as des parents? Il dit, j'ai des parents, je dépends tout près de toi. Parce que lui, il a la Cypresse, nous, on a Gabriel Gare. Mais ça dit que si tu prends un bagage de Jesco sans fond, tu es là, ou bien tu peux marcher. Il dit, bon, d'accord, allons. On est parti. Bon, c'est qu'elle suit, je sais qu'on est parti. Celle que je suis directement, elle est à Bio. La coïncidence, c'est qu'elle est venue rendre visite à la plus grande. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à couler des larmes avec lui. Et ce qui a marqué ma grand-sœur, elle me voit avec un monsieur dans la causerie, elle dit, si celui-là, si vos Jésus vous parlez là, s'il a pu, lui, là, le guérir là, moi, il donne ma vie à Jésus. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et celle-même qui a toujours dit qu'elle ne prend pas route d'église, toujours, au moins j'étais normal, hein. Elle est moins con, elle dit, elle n'est pas dans la fête de Jésus. Souvent, avant ça, il parle d'avant-avant. Aujourd'hui, où je vous parle, on nous a baptisés le même jour. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle dit, si moi je reçois ma délivrance là, elle donne sa vie à Jésus, et j'ai reçu ma délivrance, Jésus m'a guéri, il m'a délivré, et j'ai repris mon travail. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Non, il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Jésus-Christ, Fils de Dieu, puissant sauveur, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Qui a-t-il changé? Non, il n'a pas changé. Jésus-Christ, Fils de Dieu, puissant sauveur, il n'a pas changé.
Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kouadiane Delphine, disciple du pasteur Meunier. La première fois que je suis passée ici, je disais que le Seigneur nous rassurait de sa présence parmi nous. Il nous avait rassuré de sa présence parmi nous, qu'il allait nous bénir, il allait nous délivrer. Et effectivement, sa présence est effective parmi nous. Il y a deux jours, pendant que le pasteur Meunier nous conduisait dans une prière de combat, ce jour-là, il disait « Marchez sur vos ennemis, marchez, je proclame que je marche sur mes ennemis, je proclame que je marche sur mes ennemis. » Frère, dans la salle, il y avait du monde, mais couché par terre, et chacun marchait sur ces personnes-là, chacun marchait sur des reptiles, acclamons chacun pour Jésus-Christ. Clap Jesus. Et chacun de nous était tellement lourd qu'il écrasait ces personnes, je ne sais pas, énormes qui étaient couchées par terre. Certains avaient la langue qui pendait. Il y avait des chiens qui avaient la langue qui pendait. Et au fur et à mesure, ceux qui avaient des chaînes, les chaînes étaient brisées, les serpents. Alléluia. Alléluia, c'est comme si on ramassait les chaînes dans la salle et une grosse force était de l'autre côté et on jetait les reptiles. Il y avait même des, comment on les appelle, les petits animaux qui sont des tortues. Certains marchaient sur des tortues et tous ces animaux, tous ces démons étaient ramassés et jetés dans la fosse et puis fermés. Alléluia. Frère. Acclame pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Frère, Dieu est parmi nous et il agit puissamment parmi nous et nous devons être sérieux, vraiment dans la bataille. Amen. C'était hier, quand il nous conduisait encore dans la prière de combat, il disait le voile est déchiré, le voile est déchiré, le Seigneur m'a fait grâce de voir vraiment un voile déchiré. Un voile déchiré, mais sur les têtes de certaines personnes, il y avait des voiles rouges, des voiles noires et le Seigneur me dit, ce sont les ténèbres, les puissants de vaudou, les puissants des ténèbres qui couvrent ces personnes. Et du coup, le Seigneur a enlevé tout ça, tous ces voiles. Sont... Jésus-Christ, c'est Seigneur. Jesus. Tous ces voiles ont été ramassés et mis dans le feu, mis dans le feu. Et la prière a continué. Il dit, des anges vont venir, des anges seront parmi nous pour guérir. Effectivement, je voyais une armée tout autour de la salle et des médecins et des infirmiers, des chirurgiens même qui passaient dans la salle pour soigner, pour guérir, pour opérer, pour soigner tous ceux qui étaient malades. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu parce que le Seigneur est là, il est présent. Il nous l'a confirmé dès le départ et chaque jour, il le fait. Il est présent. Mon frère, ma sœur, prends la bataille au sérieux et tu auras ta part. Amen. Je me nomme Conan Marie-Laure, mon faisait des disciples et pasteur Léon. Les principautés avaient dit que dans nos familles, les femmes ne se mariaient pas. Et quand je suis venue à la CMCI, le Seigneur était venu. Et aujourd'hui, je suis mariée. Acclame pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Et encore, quand j'ai fini mon mariage, ils ont dit encore qu'elle n'affronterait pas. Et après mon mariage, j'avais un problème de trompe qui me faisait très mal. Je suis rentrée dans un combat des principautés. À 4 mois du jeûne, mes trompes me faisaient tellement mal que je suis allée à l'hôpital. Et le gynécologue a dit, Madame Conan, vous êtes enceinte de 4 mois. Et j'ai dit merci au Seigneur pour la bénédiction qu'il a faite dans ma vie. Amen. Je voudrais dire infiniment merci à Dieu qui m'a délivré depuis le premier jour de la croisade de renversement des principautés 2019. Quand nous avons fini la croisade, que nous sommes partis à la maison, la nuit, je dormais aux environs de 2 heures par là, j'ai fait un rêve. Bien vrai que j'étais parmi vous, mais toutes les nuits, je me retrouve au sous-sol.
dans une prison, c'est là-bas que j'étais, toutes les nuits, et cela depuis mon jeune âge. J'avais commencé à accepter cette situation, de sorte que je me couche très tôt, parce que je sais qu'après minuit, je n'aime pas ce que je vois. Et après minuit, je prends un thé juste pour rester éveillée. Et pendant ce temps, je regardais beaucoup la télé pour ne pas dormir. Et j'ai vécu dans cette situation depuis mon jeune âge, jusqu'à ce que j'arrive à la CMCI. Quand je suis arrivée à la CMCI l'année passée, c'était mon sujet. Après, j'ai laissé, j'ai pris encore un autre sujet. Mais j'ai eu une vision où j'avais fait un rêve où je témoignais que j'ai été délivrée. Et cette vision m'est revenue en tête et puis j'ai laissé l'autre sujet pour lequel je priais. J'ai repris mon ancien sujet où je disais à Dieu de me délivrer. Parce que toutes les nuits, j'étais dans cette prison au sous-sol et j'entendais de petites voix. Je criais pour qu'ils viennent me libérer, mais personne ne m'entendait. Et cette prison se trouvait au marché de mon village. C'est dans le sous-sol du marché de mon village que je vivais toutes les nuits. Parfois, je sentais les gens qui étaient assis comme s'ils se réunissaient sur l'endroit là où j'étais. Et c'était un peu comme ça. Et cela influençait ma vie physique. Je n'étais pas heureuse. C'est vrai que parmi mes amis, mes soeurs, je ris, je cause. Mais il suffit que je me sens seule, je me retrouve seule. Je suis angoissée, peinée, triste. Et j'ai vécu cette situation longtemps. Le premier jour du renversement, j'étais en haut, on a fini de prier, je suis partie à la maison. La nuit, je me suis retrouvée encore dans cette prison, vers 2h du matin. Et du coup, les murs se sont ébranlés. Acclamons pour Jésus. Let us clap for Jesus. Les murs de cette prison se sont écroulés. Des gardes-corps, malgré que les murs se sont effondrés, il y avait la panique partout. Les gardes-corps étaient en alerte pour empêcher les gens de sortir. Mais moi, je suis sortie tout doucement, sans qu'ils ne s'aperçoivent que je sortais. Et j'ai traversé un grand tunnel. Là, il y avait des gardes-corps, mais des femmes. Elles ne m'ont pas encore vue. Je suis sortie et j'ai vu la lumière du jour et je me suis réveillée. Acclamons pour Jésus-Christ. Je voudrais dire infiniment merci à Dieu. Je voudrais infiniment remercier Dieu parce que je sais que c'est un début d'un grand témoignage dans ma vie. Les belles choses vont commencer maintenant dans ma vie parce que je ne suis plus en prison, je ne suis gardée par personne. Je suis libre maintenant d'aller là où je veux. Jésus, amen. Jesus. Gloire à Dieu. Et j'aimerais être infiniment reconnaissante au Seigneur qui m'a délivrée du célibat et d'un envoûtement. Gloire à Dieu. Il faut dire qu'avant que je ne donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque j'étais dans le péché, j'ai remarqué que ma famille et moi, c'est dit mes soeurs, on aimait les hommes mariés. Et à chaque fois, c'était les hommes mariés même qui nous abordaient. Et lorsque je suis venue dans le Seigneur, quand je devais faire mon brisement de liens, c'est là que j'ai compris que c'était une principauté. Parce que ma grand-mère, c'est-à-dire la maman de ma maman, avait pris la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un. Et ma maman aussi, mon papa était déjà marié lorsqu'elle est venue avec lui. Gloire à Dieu. Et donc, j'ai compris que c'était une principauté. Et à chaque fois, pendant le renversement des principautés, j'énumérais ça parmi mes sujets de prière. Et le Seigneur a délivré moi et toutes mes sœurs. Gloire à Dieu. Je me suis mariée. Mes sœurs, elles ont été dotées. Nous sommes trois. Mes deux grandes sœurs ont été dotées. Moi, je me suis mariée légalement. Gloire à Dieu. Acclame pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Et concernant l'envoûtement, quand j'étais en allée BTS en 2014, nous sommes allés composer à Port-Boué. Et nous sommes allés rester chez la grande sœur de l'une de mes amies. Et lorsque nous avons fini les compos,
on devait rentrer. J'étais en train de faire ma valise et j'ai enlevé mes dessous. J'ai déposé mes dessous sur mon sac. J'ai dit, je vais aller me laver. À mon retour, je vais ranger. Quand je suis revenue, je n'ai plus vu les dessous. Et mon ami et moi, nous avons cherché dans toute la chambre. Nous n'avons pas trouvé. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés. Après, quand nous sommes allés récupérer nos cahiers, on a fouillé encore, on n'a pas vu. Et dès lors, mes menstrues ont arrêté de venir. Gloire à Dieu. Pour que mes menstrues viennent, il faut que je prenne des médicaments. Il faut que je fasse un traitement. Et c'est comme ça jusqu'à ce que je me donne au Seigneur Jésus-Christ. Et quand je me suis donnée au Seigneur, on a fait mon brisement de lien. Il faut dire que mes menstrues ont fait pratiquement un an. Ça ne venait pas depuis le jour où mes dessous ont disparu. Et quand je me suis donnée au Seigneur Jésus-Christ, c'est venu normalement, jusqu'à ce qu'on annonce la date du mariage. Quand on a annoncé la date du mariage, mes menstrues se sont interrompues encore. Et jusqu'à ce que hier, pendant que nous étions en train de prier, c'est-à-dire je me suis mariée, je n'avais pas de menstrues, même quand je me suis mariée. Et hier, pendant qu'on priait, j'ai vu devant moi un chien. Il y avait d'autres chiens qui étaient là. Mais j'ai vu un chien qui était là, tout droit devant moi, qui me fixait. Et je ne comprenais pas, donc j'ai ouvert mes yeux. Après, j'ai refermé mes yeux, il était encore là. Et lorsque le pasteur a dit qu'il faut qu'on insiste en disant qu'on vous anéantit, et que j'ai dit anéanti, il s'est coupé en deux. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Acclamons pour Jésus. Clap for Jesus. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, j'ai senti qu'il y avait un courant qui avait traversé mon corps, mais je n'ai pas trop fait attention. Et je suis rentrée à la maison. Et par la suite, aujourd'hui, pendant que je faisais la cuisine, j'ai senti une chaleur dans tout mon être. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai envoyé un message à mon époux pour lui dire, je ne me porte pas bien, je ne pourrai pas venir. Il m'a dit, non, ne te laisse pas distraire par le diable. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, j'ai décidé de venir. Et je suis allée me doucher, j'ai constaté que mes menstrues venaient d'arriver. Jésus-Christ. Acclame pour Jésus. J'aimerais être infiniment reconnaissante au Seigneur, lui qui désenvoûte et qui bénit. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Moi, c'est la sœur Koné Catherine. Je suis professeur le pasteur Apollinaire d'Atekoubé. Frère, j'aimerais dire merci à Dieu qui m'a exaucé au-delà même de mes attendements. Frère, hein, il faut dire que depuis avant-hier, j'étais triste et je ne savais pas pourquoi. Pareil hier. Donc, quand nous avons fini de faire le culte, c'est là que nous sommes partis, moi et mon mari au marché. Il a dit, ah, depuis avant-hier, je suis triste, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il dit, ah, comment? Il dit, je ne sais pas, mais je suis triste. Donc, c'est là que je lui ai dit, non, que je ne vais pas venir à l'église, parce que je suis triste. Venir m'asseoir dans la maison de Dieu, et puis être triste, vraiment, ce n'est pas joli à voir. Il m'a dit, non, ne reste pas, il faut partir. Frère, j'ai obéi, mais ça a été un grand miracle pour moi. Hier, yeah, quand papa a dit, on a brisé toutes sortes d'envoûtements, père, frère, des orteils, les cheveux, habillement, corps, tout, frère, et j'ai brisé. C'est après ça qu'il a dit, parlez en langue. Quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, elle va parler comment? Frère, à chaque fois qu'on dit parler en langue, je me mets à parler en français puisque je ne parlais pas en langue. Mais hier, j'ai essayé. Parce que papa a dit, si vous priez, priez avec force. Parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait jusqu'à la sueur me mettait sur son front. Et c'est ce que j'ai fait. Frère, j'ai essayé parce que la soeur qui a exhorté hier, elle a beaucoup parlé en langue à la prière. Et j'ai essayé. Je n'ai même pas fait 3 minutes, les paroles ont commencé à sortir. Les paroles ont commencé à sortir. J'ai commencé à parler en langue. Oh, frère, c'est merveilleux. Je ne m'attendais pas à une telle chose.
Frère, j'ai été exaucé hier. Je voulais dire merci à Dieu. Ce bon Dieu que nous adorons ici à la CMC, il est réel. Pour ceux qui ne croient pas, croyez. Parce que moi-même, j'étais dans le doute. Mais à partir d'aujourd'hui, frère, depuis hier, j'ai dit à mon mari, Jésus-Christ est devant toi. Je vais le servir avant de te servir. Amen. Clap for Jesus. Acclame pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Acclame pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Acclame pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Je ne peux pas descendre sans dire merci à mon papa Apollinaire et merci à papa Meunier. Longue vie à toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Beau René Dominique, disciple du pasteur Elie Goji. Et je voudrais dire merci à Dieu qui m'a délivré de la mort et du séjour des morts le samedi matin. Le vendredi, je me sentais très mal, mais j'ai forcé pour être à la prière. Et pendant qu'on est resté calme, le Seigneur m'a dit qu'il allait achever ce qu'il a commencé. Et j'enregistre, en plus de prendre les notes, j'enregistre la prière. Et chaque 3 heures, je me mets à prier. Et le samedi matin à 4 heures, j'ai fait la routine. Pendant que je priais, je suis arrivée à la partie où le pasteur nous a conduit, a dit, je proclame que Satan est un voleur. Il vient pour détruire, pour tuer, frère. Quand j'ai dit, tu viens pour détruire, au nom de, pour tuer, au nom de Jésus, tu es vaincu. J'ai commencé à perdre le souffle. Et j'ai continué, j'ai reçu que je devais continuer à prier. J'ai continué à prier. Après, je n'ai plus vu dedans. Et je vis avec ma soeur, la soeur Kosia Marguerite. Elle dit, elle m'a vu bizarre. Elle a vu que mon attitude n'était pas normale. Et elle a reçu qu'elle devait demander, c'est qui? Qui es-tu? Et l'esprit a dit, l'esprit de mort. Et quand elle a commencé à juger l'esprit de mort, frère, je suis partie. J'ai perdu connaissance. La respiration s'est coupée. Et là où j'étais, je ne voyais rien. C'était encore sombre, donc je ne voyais rien. Elle dit, elle a jugé pendant longtemps. Et après, elle a fait recours à d'autres frères. C'était vers 4-5 heures. Elle a appelé des frères qui sont venus. Elle a appelé mon âme, je suis revenue. Mais j'avais la bouche liée. Et elle a proclamé que je parle. Elle m'a posé certaines questions, j'ai répondu. Mais elle dit, elle a senti que je n'étais pas encore là. Et d'ici, le frère Amani Élisée va venir, puis le pasteur Marc, j'étais encore partie. Et elle a continué à prier. Ils ont prié ensemble pendant longtemps. Mais cette fois-ci, je savais où j'étais quand je suis partie. J'étais sur une voie, un chemin très noir. Il y avait des personnes qui me tiraient la main gauche. Et eux, les frères ici, me tiraient la main droite. Et j'ai commencé à prier dans mon intelligence. Et j'ai crié à Dieu. Je disais, Père, tu as dit que nous pouvons tout te demander. Je t'en supplie, donne-moi la vie. Père, donne-moi la vie, donne-moi la vie, donne-moi la vie. Donne-moi la vie. Et ils m'ont dit, tu appelles qui? J'ai dit, j'appelle mon père. Il dit, mais ceux qui te tirent là, c'est qui? J'ai dit, c'est mes frères. Il dit, non, non, non. Tes frères sont ici, ta maman est ici, ton papa, allons, ton enfant est ici. Et j'ai proclamé, j'ai dit, Jésus est mon frère, Jésus est ma soeur, Jésus est mon père. Je n'ai rien à voir avec vous. Père, donne-moi la vie, donne-moi la vie. Donne-moi la vie, donne-moi la vie. Et c'est comme ça, c'est comme si j'étais loin, mais je suis revenue avec la prière des frères. Ils n'ont pu me ramener, mais j'étais toujours sur ce chemin-là. Et il y a un qui est venu qui a dit, laissez-les, les loin. Tu n'es plus avec nous, tu es parti, tu es loin. Et ils sont partis, mais tout était noir. Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus où j'allais passer. Et je me suis arrêtée, toujours dans l'intelligence, j'étais plus consciente ici. Et la sœur me racontait que j'étais devenue froide, j'étais devenue dure. Mais ils ont continué à prier. Et j'ai encore crié à Dieu, dit, Père, tu as dit, nous pouvons tout te demander. Je t'en supplie, illumine-moi, 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 Père, illumine-moi. Quand j'ai continué à crier à Dieu, j'ai vu une lumière blanche, belle, et j'ai suivi la lumière. Je suis sortie sur un chemin vraiment beau, éclairé, et j'ai commencé à marcher. Et j'ai entendu « Amen » dans mon intelligence, et j'ai répondu « Amen ». Frère, quand j'avais répondu « Amen », j'avais repris vie. Jésus-Christ. Jésus.
quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les frères qui transpiraient. Ils m'ont demandé, j'ai juste expliqué. Mais je tremblais. Je me suis dit, bon, comme je viens de loin, sûrement mes membres reprennent leur force. Mais je me suis sentie mal toute la journée. Et j'ai dit à Dieu, tu as commencé, il faut achever. Et très mal jusqu'à hier. Hier, je n'étais pas assise, j'étais couchée juste derrière. Ceux qui m'ont vu, j'étais mal. J'ai couché, prié. J'étais couchée, j'ai prié, couché. Et j'ai dit à Dieu, termine ce que tu as commencé. Et il a dit qu'il allait, il avait déjà combattu. C'était juste les formalités. Et une urgence s'est passée hier dans les annonces, dans les assemblées, qu'on devait faire mon brisement de lien urgemment aujourd'hui. Et frère, je viens comme ça du brisement de lien. L'esprit de mort a été chassé. Mon âme a été retirée de l'eau. Gloire à Dieu. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Et ce qui m'a épaté, c'est que l'esprit disait qu'il me donnait mes vrais pieds. Puisque je vous ai dit que j'étais malade depuis février, ça faisait 5 mois que j'étais malade. Et c'est le mercredi à la prière que Dieu m'a guéri. Et il a dit qu'il me donnait mes vrais pieds. Et il m'a redonné mon cœur, puisque j'avais aussi un problème au cœur. Je n'arrivais pas à respirer. On me disait que le sang descendait, mais ça ne remontait plus, mais ça remontait avec les caillots de sang. Donc le cœur, je n'arrivais pas à respirer. Mais il disait qu'il me donnait mon cœur, il me donnait mon cœur. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur, qui est en train de faire de grandes choses, qui est en train de m'envoyer loin avec lui. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Adompo, disciple du pasteur Traé. Je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'il a délivré ma famille. Je suis à ma première participation du renversement des principautés. Il faut dire que le serpent fait partie de ma famille, mais je ne le savais pas. C'est à la CMC ici que j'ai appris beaucoup de choses parce que j'étais gawa spirituellement. Mais aujourd'hui, je suis guérie spirituellement. Voilà. En fait, dans mon enfance, j'étais encore au lycée. Je venais d'entrer au lycée et mon père avait la photo d'un serpent, un gros cobra. Et la photo était encadrée, ça avait la forme de ce baffle-là. C'était au salon. Bon, on ne comprenait rien à l'époque. On se disait qu'il a aimé, comme c'est joli, mais l'image faisait très peur. Mais voilà que, à chaque fois qu'on dormait, on rêvait sur les serpents. Mes sœurs et moi, on rêvait sur les serpents. Au point même que le serpent m'a visité réellement. Je dormais nuit et je dormais avec un cobra, je ne savais pas. Et c'est lorsque la fille de mon tuteur venait dormir, elle a allumé la lumière, elle a vu le cobra à côté de moi. Lorsqu'elle a crié, serpent, je me suis levée, je n'ai pas vu le serpent. Mais mon tuteur est venu, il a vu le serpent, il a dit que c'était gros, mais n'a pas pu tuer le serpent. Un autre jour, je descends des cours. C'était à 10 heures. Je devais reprendre l'après-midi à 13 heures. Je vais m'étendre un peu. Je dors et je sens qu'il y a quelque chose glacé qui montait sur moi. Là, je secoue mon pied et j'entends un bruit qui a attiré mon attention. Je me lève. Je vois un serpent derrière mon carton. Il y avait mes fournitures scolaires. Là, je fuis. Cette fois-ci, le serpent a été tué. Une autre fois encore, je vais prendre ma douche. C'était un cobra. Je fuis, il a été tué. Mais je ne comprenais rien à l'époque. Je me disais que bon, c'est des choses qui devraient arriver. Et c'est comme ça que j'ai vécu avec ce serpent. Et quand je suis là, même jusqu'en 2018, mais là, je ne sens pas. Ça fait maintenant depuis le renversement a commencé. Je sentais la présence du serpent. Quand je suis dans la chambre, c'est surtout dans la chambre que je sentais qu'il y avait un serpent, mais je ne le voyais pas. Et après mes études, je me marie. Et à chaque fois que je dois avoir un enfant, le serpent vient et je sais que je dois avoir un enfant. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Chaque enfantement, lorsque je vois le serpent, automatiquement, je sais que je vais tomber enceinte. Dieu m'a fait la grâce. J'ai connu la CMCI. J'ai déjà rendu témoignage ici. Voilà.
Et c'est lors de mon brisement des liens que j'ai compris beaucoup de choses. Papa Traï m'a expliqué beaucoup de choses et là, mes yeux ont été ouverts. Mais le Seigneur a fait quelque chose. 4 jours avant le renversement des principautés, j'avais pris un moment de jeûne pour me préparer parce qu'il fallait se sanctifier afin que le Seigneur nous exauce. C'est ce qu'on m'avait, on m'a enseigné. Et j'ai pris ce moment-là. La nuit, je dors, je fais un songe. Je vois que j'ai préparé et je retire la sauce, la casserole du feu, je dépose. J'ouvre la sauce et je vois un serpent blanc qui sort de la sauce. Et le serpent entre dans la maison. Il y avait ma grande sœur qui était là. Je lui demande, le serpent qui est sorti. En fait, dans le rêve, quand on voit le serpent, on n'a pas peur du serpent. Et aussi, il ne nous fait rien. Donc, je dis, mais il est parti où? Elle me dit, il est parti quelque part là-bas, je ne sais pas. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Lorsque j'ai prié, j'ai fait une petite prière parce que voilà, j'avais d'autres occupations. Pendant que j'étais libre, j'ai pris un moment et j'ai commencé à prier. J'ai prié ce jour-là. Et ça a été la première fois où j'ai prié pendant 30 minutes. Je n'arrive pas à prier longtemps. J'ai pris 2 minutes, 3 minutes, j'ai fini de prier. Et ce jour-là, j'ai prié 30 minutes. Pendant que je priais, le Seigneur me montre une vision. Le serpent qui est sorti de la sauce. Et cette sauce, je précise que c'est la sauce arachide. Nous, les Nordistes, on aime bien la sauce arachide. C'est la sauce préférée de mon papa. Le Seigneur me montre le serpent qui est sorti de la sauce que je n'ai pas retrouvée dans le songe. Et c'est comme si quelqu'un avait pris ce serpent, l'avait attaché, fait des nœuds, beaucoup de nœuds. Et il a été cloué avec 2 flèches. Une à la tête, une à la queue, le serpent est resté cloué au sol. Et pendant que je voyais l'image, je continuais, je vois un gros serpent. Un gros serpent, cette fois-ci j'ai eu peur. Mais la vision était là, je continuais toujours dans la prière. Et une épée est descendue du ciel, a déchiré le ventre du serpent. Jésus-Christ, Jésus. Et ce qui m'a émerveillée, c'est que dans le ventre du serpent, j'ai vu des sacs d'argent attachés. J'ai vu des maisons, j'ai vu des voitures. J'étais stupéfaite parce que comment toutes ces choses pouvaient sortir du ventre d'un serpent. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai glorifié le Seigneur parce que c'était 4 jours avant d'entrer dans la principauté. Donc je vais lui dire merci pour ma première participation. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Et j'ai la ferme assurance que nous sommes délivrés et vous entendrez parler de nous. Acclamons pour Jésus. Moi c'est la sœur Christiana Kosono. Je voulais dire infiniment merci au Seigneur qui m'a guéri du fibrome et qui m'a fait la grâce de me marier le 30 mars dernier. Et acclame pour Jésus. Clap for Jesus. Et comme gros cadeau de mariage, le Seigneur nous a béni, mon époux, avec moi, avec une grossesse. Bon, c'est pas un cadeau comme les autres. Le Seigneur nous a béni avec une grossesse jumelée. Elle dit que j'attends des jumeaux, donc je voulais lui dire infiniment merci. Acclamons pour Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je suis le frère Simon-Pierre Boli. Et je vais être bref et précis. Merci. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je suis d'une famille où mon père et ma mère sont séparés. Et je suis le premier garçon de mon père. Mon père est un homme politique qui était dans l'ancien gouvernement, dont je vais taire le nom. Donc dans ma famille, je n'ai pas connu les problèmes difficiles. Donc quand j'entendais parler de Dieu, je disais que c'était pour les pauvres. C'était pour les gens qui cherchaient à voyager. C'était pour des gens qui avaient des problèmes de santé. Mais le Seigneur s'est glorifié dans ma vie.
Et par la suite, j'ai rencontré une personne. J'ai rencontré des enfants de Dieu, des évangélistes puissants de la CMCI. Jésus-Christ. Frère, j'ai pas honte de le dire, j'étais dans le péché. Je volais l'argent de mon père avec mes frères. Je faisais des trucs malsains. Donc ça fait que je ne cherchais pas le Seigneur parce que ce que les gens cherchaient, j'avais déjà. Donc quand j'ai rencontré les frères de la CMCI, par un de mes frères qui est semeur ici, qui a supplié le Seigneur pour mon âme, pour le renversement des principautés l'année dernière, ces frères-là m'ont parlé de Dieu. Je les ai écoutés, j'ai dit, ce qu'ils disent là réellement, c'est la vérité. Mais le péché était encore dans mon cœur. Mais le Dieu d'Israël s'est glorifié dans ma vie. Le dimanche, pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. Un dimanche 12 mai 2019, à partir de 17h, les frères, j'étais couché dans mon péché parce que c'était mon habitude. J'ai entendu la voix du Seigneur. Alléluia. Et je me suis converti radicalement le même jour au Seigneur. Acclamons. Clap for Jesus. Acclame. Clap. Acclame pour Jésus. Clap for Jesus. Jésus-Christ. Le même jour, j'ai été touché du Saint-Esprit. J'ai décidé de tout abandonner. Même j'avais une société avec mon jeune âge. J'ai décidé de tout laisser, tous ces millions, toute cette femme. J'ai tout abandonné pour suivre le Seigneur. Il m'a béni. Je suis devenu un évangéliste puissant. Je prêche à ma famille. Je prêche à mon école. Alléluia. Je prêche partout. Jésus. C'est pas encore fini. Il s'est glorifié. Je prêche partout et j'ai même gagné des âmes à Christ. Alléluia. Amen. Hier, nous étions en train de prier avec le pasteur Meunier. Il a dit que nous devons briser et nous devons anéantir toutes sortes d'enfoutements. J'ai tellement prié avec mon âme, j'ai crié à Dieu qui délivre ma famille qui sont encore dans la religiosité, qui délivre mes amis qui sont encore dans l'amour du monde. Et le pasteur aussi, Meunier, a dit de prier pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, à qui on a parlé de Dieu, qu'on veut voir convertir radicalement. Le Seigneur s'est glorifié en ce jour. Quand je suis rentré à la maison, à 4h du matin, je me suis levé. J'ai prié. Mais quand je me suis levé, j'ai remarqué que j'avais plus de voix. À peine même je pouvais prononcer le nom de Jésus. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai proclamé qu'au nom de Jésus, ma voix revient. Et à l'instant, ma voix est revenue. Jésus-Christ. Les frères, à l'instant même, ma voix est revenue. Donc, tout à coup, j'étais édifié. J'ai commencé à prier. J'ai prié pour l'âme de ce jeune homme à qui j'ai prêché, qui est d'un groupe musical congolais. J'ai prié pour lui et puis j'ai prié pour mes parents parce que mes parents me persécutaient beaucoup. Donc, je suis allé me coucher. Le Seigneur me montre un songe. Depuis le commencement de renversement des principautés, même mouche, il ne voit pas dans le rêve. Mais hier, yeah, quand je suis allé me coucher, Dieu soit glorifié. Je me retrouve dans un long car. Et je devais descendre à une destination. Là, le chauffeur a dépassé mon arrêt. Donc je me lève et puis je crie. Mais monsieur, vous avez dépassé mon arrêt. Tout à coup, il se lève, on dirait c'est quelqu'un qui me guettait avant. Et puis il dit, pourquoi moi je lui dis ça? Il laisse le volant et puis il sort du car. Il ramasse une chicotte et puis il vient vers moi. Moi aussi je descends, mais quand je l'ai vu avec sa corpulence, j'ai dit, j'ai essayé de passer à côté. Mais il m'a chicoté d'une manière. Je l'ai regardé puis j'ai dit, au nom de Jésus, tu es brisé, tu es anéanti. J'ai arraché sa chicotte, je l'ai chicoté, elle est devenue fou. Jésus-Christ. Jesus. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. C'est bon, on finit. Acclame, acclame. Alléluia. Et je me retournais dans le songe. Et j'ai vu la personne pour qui j'ai prié hier, pour qu'il se convertisse radicalement. Je l'ai vu avec un tricot vert, donc je lui ai demandé, mais Coco, tu fais quoi ici? Il dit, c'est pas Coco, mais moi je suis là, il va jamais se convertir. J'ai dit, il va se convertir radicalement. Lui aussi, je l'ai chicoté, il a fui. Et je traversais la route pour partir à l'autre bord. Et il y a une femme qui est sortie, une grosse femme claire, qui a commencé à courir et puis elle pleurait. Elle dit, non, tu ne vas pas nous laisser, tu ne vas pas te convertir au Seigneur. Je ne veux pas, je ne veux pas. Donc je me suis retourné, j'ai regardé cette femme. Elle venait vers moi avec un air vraiment méchant.
Donc j'ai proclamé au nom de Jésus qu'elle est vaincue. Mais cette femme venait vers moi et puis elle a dit aussi que tu n'iras pas aux États-Unis. Alors que j'étais en train de préparer depuis 2 ans mes papiers après mon master pour aller faire un NBA. Des choses qui n'ont pas marché. Donc elle a dit ça que j'ai entendu. J'ai dit tu es vaincue, tu as anéanti. Cette femme est tombée. Elle s'est relevée encore parce qu'elle avait du zèle. Elle est revenue vers moi. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Israël qui est puissant, je t'anéantis au nom de Jésus. Elle est tombée raide. Jésus-Christ. Jesus. Je me suis réveillé. J'ai couru dans la chambre de ma mère. J'ai dit, maman, voici le songe que j'ai fait. Et j'étais rempli du Saint-Esprit. J'ai prêché l'évangile à ma maman. Elle est dans la salle. Alléluia. Alléluia. Jésus. Acclamons pour Jésus. Lève pour Jésus. Jésus. Ma mère qui me persécutait, ma mère qui me dit, comment tu as pu aller te baptiser dans l'eau? Baptême tu as fait à l'église catholique, là ce n'est pas baptême. Je lui ai dit, Jésus n'est pas là-bas. Jésus est ressuscité. Et je veux rendre gloire à Dieu. Parce qu'il se manifeste puissamment dans ma vie. Et ce qu'il a commencé, j'ai l'assurance totale qu'il va le terminer. Que son nom soit glorifié. Merci. Hey, que ta mère se lève, on la bénit. Où est-elle? Lève-toi, on te bénit. Où est sa mère? Tends ta main et demande que Dieu la bénisse. Prions. Stretch your hand and pray that God bless her.